La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toutes choses, pour lui-même et notre prochain, comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Parce que l'amour est si nécessaire à la vie de l'homme, Dieu l'imposa comme précepte à l'être humain. Il le plaça à la tête de tous ses commandements, de sorte que tous les autres préceptes sont en étroite dépendance au commandement de la charité. Marie a aimé Dieu comme Dieu lui-même nous l'avait commandé, de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Elle n'a pas donné au Seigneur un cœur divisé. Elle n'a pas réservé pour elle-même une seule fibre de son être. Elle ne la réservera ni pour elle-même, ni pour la donner à aucune autre créature que ce soit. Ce cœur très pur était propriété absolue et exclusive de Dieu. Dieu ne veut pas de cœur divisé. Diviser les affects du cœur est tuer l'amour. L'homme a tendance à diviser son cœur entre Dieu et les créatures. Et très souvent, c'est envers les créatures que va sa préférence. Et pourtant, la pire disgrâce pour tout chrétien devrait être celle de perdre l'union avec Dieu à cause d'un amour déréglé envers les créatures. Toutes les douleurs et toutes les souffrances réunies, supportées en compagnie de Jésus, ne sont rien comparées à la disgrâce d'être séparé de Dieu à cause du péché. Saint Jean dit expressément « Mes petits enfants, n'aimons pas seulement avec la parole et la langue, mais avec des actes de vérité. » Il en fut ainsi pour la Vierge Marie aux noces de Cana. Lors de son intervention en faveur des époux de Cana, Marie laisse émerger une diligence active pour aimer. Elle démontra aussi une infatigable promptitude à secourir ceux qui sont dans la nécessité. À Cana, elle est la seule à noter le manque de vin et tout le tumulte que cela devait causer. Peut-être pourrions-nous aussi un peu plus être attentifs aux besoins de notre prochain. Combien de fois entendons-nous dans nos foyers de semblables réflexions ? Il ne se soucie pas de moi. Il n'est pas très attentionné envers moi. Ou encore, il ne me comprend pas. À l'exemple de Marie, ne devrions-nous pas réfléchir en nous-mêmes en disant « Que puis-je faire pour rendre ma famille heureuse ? Suis-je compréhensif vis-à-vis de mes proches ? Me suis-je suffisamment sacrifié pour les miens ?» Que la Vierge nous obtienne toujours de mettre de la charité partout où il en manque.